regarde à droite car j'ai mon ordi avec toutes les notes et toutes les séries parce que sinon je ne retiendrai pas. Alors la première série c'est Stranger Things, bien évidemment. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, inutile de vous raconter un petit peu de toute façon. Je vais pas trop en dire car j'ai pas envie de spoiler. Mais Stranger Things, vraiment superbe série qui a fait un gros gros boom. Elle est un peu fantastique également. On l'a mis dans la catégorie horreur car c'est vrai qu'il y a certains épisodes qui peuvent faire peur et heurter la sensibilité des plus jeunes. Mais selon moi, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus de la science-fiction, du surnaturel. Mais je peux comprendre que certaines parties peuvent faire peur. Mais la série est vraiment top. C'est une série de jeunes avec les acteurs principaux, ce sont des jeunes. Et elle est vraiment bonne ambiance. Le style est super, les musiques sont superbes. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, mais pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardée, vraiment, je vous la conseille. On en parle beaucoup, mais ça vaut le coup. Ensuite, comme deuxième série, j'ai la série Marianne, qui est une série française sur Netflix. Il y a une saison, il me semble, et c'est une toute nouvelle série qui est sortie fin 2019, plus ou moins. J'ai pas les dates en tête, mais donc ça par contre, c'est vraiment une série d'horreur, donc si vous avez peur, etc., ne la regardez pas. Si vous avez un certain âge, ne la regardez pas non plus. Il y a la limite d'âge sur Netflix de toute façon. Alors pour vous résumer, Emma, jeune romancière acerbe, découvre que les personnages monstrueux qui la hantaient et qu'elle a créés dans sa série de romans d'épouvante sont réellement en train de prendre vie. Voilà. Et donc comme je dis, c'est une série française et vraiment elle est géniale, elle fout les boules, elle est trop 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 bien et les personnages jouent vraiment bien leur rôle. Je vous la conseille vraiment si vous êtes fan d'horreur. Comme troisième et dernière série pour la catégorie horreur, je vous conseille The Haunting of Hill House. Alors celle-là par contre, elle fout les boules de ouf. Je vais vous lire le résumé également. Entre passé et présent, les membres d'une famille doivent faire face aux terrifiants souvenirs d'événements horribles survenus dans la maison où ils ont grandi, mais qui les a obligés à fuir après le suicide de leur mère. Alors cette série, vraiment, c'est une série d'horreur, c'est-à-dire qu'elle fait peur. En tout cas, moi, j'ai eu peur pendant cette série, vraiment, vraiment, vraiment. Donc pareil, si vous avez un certain âge, évitez-la. Mais si vous aimez les films d'horreur et les séries d'horreur, je vous la conseille à mort parce qu'elle est tellement bien faite et l'histoire est juste dingue et très 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 émouvante. Ça fait peur certes, mais l'histoire en soi, quand tu arrives à la fin, t'es très touché et c'est très émouvant et t'es triste en fait. Donc je vous la conseille vraiment vraiment vraiment, elle est 10 sur 10, c'est une de mes séries préférées sur Netflix, vraiment. Alors maintenant, nous allons passer à la catégorie thriller drama. On va commencer par la série You, qui a deux saisons. Et vraiment, elle est top. Je pense que vous la connaissez toutes et tous, mais elle est géniale. Je vais vous lire le résumé. Un charmant libraire répond au nom de Joe, utilise les nouvelles technologies pour attirer la jolie romancière Beck et la faire tomber amoureuse. Son obsession envers Beck devient vengeureuse, mais Joe est prête à tout. Alors ça, c'est le résumé de la saison 1. Et dans la saison 2, c'est plus ou moins la même chose, mais avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un retournement de situation. C'est pour ça. Du coup, c'est une série considérée thriller. Et c'est vrai. Car voilà, clairement, on parle d'un psychopathe, en fait, tout simplement. Mais tout ça est mélangé à l'amour, etc. Donc voilà, c'est une histoire qui est belle, mais c'est dingue en même temps. Donc vraiment, je vous la conseille. Et la saison 2, elle était vraiment top, top, top. J'ai adoré. Et l'actrice qui joue dans la saison 2 joue justement
conseille vraiment, elle est assez spéciale, mais elle est vraiment bien, et voilà, rien à dire de plus sur Messia. Ensuite, une série que j'ai adorée, d'ailleurs, là, il y a la nouvelle saison qui est sortie il y a de ça une semaine, je crois, une semaine, c'est la série Elite. Étudiant dans une école riche. Voilà, je vais pas vous raconter, vous le savez très bien, je pense, tout le monde connaît Elite. Bref, cette série est juste dingue. Dingue, 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 dingue. Il y a énormément de problèmes. Problèmes de cœur, problèmes de drogue, problèmes de meurtre, bien évidemment. C'est le sujet principal de la série. Mais voilà, j'ai rien à dire de plus. Elle est ouf, les acteurs sont ouf. C'est des acteurs jeunes, étant donné que ce sont des étudiants. Et voilà, il y a plein, plein, plein de problèmes dans cette série. Je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. J'ai rien à dire de plus sur Elite. Je pense qu'il y a la majorité des personnes qui l'ont déjà regardée. Mais on sait jamais, si tu ne l'as pas regardée, je te la conseille vraiment. Elle est vraiment bien. Ensuite, une autre série qui est tout aussi bien qu'Elite, c'est 13 Reasons Why. Alors celle-ci, j'ai eu un gros coup de cœur, car déjà la série est super bien. Mais elle fait passer des messages... vraiment très 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 important, notamment sur le harcèlement, sur énormément de choses, et
une autre série, c'est la série Salem, que j'ai adoré. Donc c'est une série bien évidemment avec des sorcières, d'où le nom Salem. Donc Salem c'est un petit village et voilà, ça parle de sorcières. Donc dans le village il y a des sorcières, les habitants ne le savent pas, ensuite la prennent, etc. Il y a tout un bordel autour de ça. Et voilà, ça tourne autour des sorcières, donc il y a des rituels, etc. Parfois ça fait un peu peur. C'est une ambiance vraiment sombre, noire, mais très bien. Et autour de ça, il y a aussi des histoires d'amour, etc. Mais vraiment, la série est vraiment, vraiment bien réalisée. T'as l'impression que c'est réel en fait. Et vraiment bien réalisée. Je vous conseille vraiment Salem si vous aimez bien toutes ces histoires-là, ces séries un peu sorcières, sorcellerie, etc. Ensuite, je vous conseille la série The Stranger. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Alors, c'est une série pareille qui est sortie en 2019. On l'a regardée il y a vraiment pas longtemps. Il y a une saison uniquement, mais elle est vraiment, vraiment bien et très prenante. Tu te poses beaucoup de questions et t'essayes de comprendre rapidement. Alors, Adam Price est heureux avec Corinne et ses fils. Cette fille parfaite tombe à l'eau quand un terrible secret est révélé. Face à la disparition de Corinne, Adam décide de partir à sa recherche, mais cette quête pourrait avoir de terribles conséquences. Dès le premier épisode, t'es tout de suite mis dans le bain avec
tué la personne qui a tué Versace. Enfin bref, je vous la conseille vraiment, elle est juste dingue l'histoire. Moi-même, je ne la connaissais pas à ce point-là. Je savais qu'il avait été assassiné près de chez lui, à Miami. Mais je ne savais pas comment, pourquoi et qui est-ce qu'il avait tué. Donc si vous voulez en savoir plus, vraiment, je vous conseille, je vous invite à regarder cette série-là. Car en la regardant, tu sais tout et tu comprends mieux. Et c'est très très triste, donc je vous la conseille vraiment. Et pour finir cette vidéo, on va passer à la catégorie télé-réalité sur Netflix. Alors, il y a deux télé-réalités qu'on a regardées avec Alex il y a vraiment pas longtemps, il y a de ça 2 semaines. On les a dégommées. La première, c'est The Circle. C'est une télé-réalité américaine. Alors nous, on a regardé The Circle États-Unis et en fait, il y a plusieurs joueurs confinés dans un appartement tout seuls. Et en fait, ils parlent tous ensemble sur un chat. Comme Facebook, on va dire, ils peuvent choisir leur photo de profil, etc. Et ces joueurs-là, en fait, le but, c'est soit de se faire passer pour quelqu'un d'autre et jouer le jeu et faire genre, en fait, soit de jouer, d'être eux-mêmes, en fait, et de discuter en soi, en étant eux-mêmes avec les autres. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de ne pas savoir à qui tu parles vraiment, est-ce que tu peux avoir vraiment confiance en la personne. Et bref, il y a des éliminations, des rentrées de nouveaux participants, etc. Franchement, je vous la conseille. Et à la fin, bien évidemment, il y a un gagnant qui gagne 100 000 dollars. Je vous la conseille vraiment, tu t'attaches grave aux personnes et c'est trop drôle, vraiment je vous la conseille, vraiment vraiment vraiment. Même pour les personnes qui n'aiment pas trop la télé-réalité, c'est pas une télé-réalité comme les autres, c'est pas du fake. Elle est vraiment bien, elle est drôle et elle nous montre à quel point les réseaux sociaux, bah on peut pas toujours faire confiance à tout le monde dessus. Et la deuxième télé-réalité et la dernière qu'on a vue, c'est Love is Blind, donc l'amour est aveugle. Alors je vais dire que c'est un mélange pour l'équivalence française, c'est un mélange entre Marié au premier regard et L'amour rend aveugle. Vous vous souvenez l'émission où les personnes se rencontraient dans le noir? Eh bien là en fait ce sont des personnes qui sont chacune dans une pièce qui ne se voit pas et qui discutent à travers un mur pour apprendre à se connaître et chacun va vers la personne avec qui elle a eu du feeling le plus et à la fin elle se marie. Donc il y a certains mariages qui ont dérapé, d'autres qui se sont super bien passés. On nous parle également de l'après-mariage. Donc en fait on suit vraiment les personnes du début à la fin, à la connaissance entre eux jusqu'à l'après-mariage, un an après. Donc je vous conseille vraiment, c'est un peu, cette série est un peu ouf, elle peut paraître ouf dans le sens où ils se marient tout de suite et ils éprouvent des sentiments assez rapidement, ils se disent je t'aime, etc. Mais voilà, elle ouvre les yeux sur certaines choses aussi et elle montre qu'il n'y a pas forcément que le physique en fait pour trouver l'amour. Donc je vous la conseille vraiment vraiment vraiment, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de regarder des télé-réalités. Voilà les amis, la vidéo touche enfin à sa fin, elle a été un petit peu longue mais je voulais vraiment vous dire, vous partager toutes les séries Netflix de toutes les catégories que j'ai regardées, que j'ai aimées et que donc je vous conseille. Donc maintenant je ne veux plus voir des questions, as-tu vu ça, as-tu vu ci, qu'est-ce que tu me conseilles, vous avez tout dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je peux faire une autre vidéo de ce genre mais avec des films Netflix si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les séries que j'ai pu énoncer si vous les avez déjà regardées.